Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour vous présenter un numéro où nous allons parler de l'état de siège. En tout cas, merci encore une fois de plus de nous avoir choisi. Vous pouviez cliquer sur d'autres chaînes, mais vous aviez choisi de nous suivre et de nous supporter. Cette perception de connaître que vous êtes en train de me suivre, et quand vous nous écrivez, quand vous nous laissez des messages, quand vous nous appelez, ça nous encourage d'aller encore beaucoup plus en profondeur dans ce métier que nous sommes choisis pour venir auprès de vous apporter nos solutions, apporter nos propositions pour les solutions pour notre pays. Bandeko boyebi ke mboka na biso ezali kokende na étape moko ya makasi ya mabe. Alors les propositions que nous faisons ici à Contact Pro Live, boza ko apprécier ango. C'est pour cela d'autres personnes m'appellent en me disant que na linga kate na raté ba réflexion na yo, et puis quelquefois ozala ka côté voici ce que nous pensons, et tout ça est dakangai ponako kende ko diriger ba sujet na biso ya autre na portaka na pesa ka ba solution. Nous passons beaucoup plus de discussions sur WhatsApp, sur téléphone. Bozé Belé, tant que nous avons recevé plus de 10 calls après qu'on sait l'émission, ou bien le matin avant que nous avons préparé l'émission, surtout tu es à Kampala, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es à Angaï, et ceux qui sont à Kinshasa aussi. Vraiment, je pense à Angaï, moi, courage à Koloba Keno. Et là, quand tu es au Loba, tu es à Namato, tu es à Batu Oyo. Il peut supporter l'idée en haut. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que nous devons reconstruire notre pays. La façon dont notre pays est en train de partir, nous n'avons pas de base sur laquelle notre pays est assis. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous allons parler de l'état de siège. Bandeko, il y a des choses qui sont inadmissible au Ezako Lobamana, Ezako Salimanana, na côté est de la République démocratique du Congo. Ezala na Ituri, Ezala na Beni, pratiquement ba situation est similaire. Alors, les lots au Lobela sous Makamwa, état de siège, mais na katia forces armées congolaises, FARDC, na police na biso. Nous allons en parler et nous allons aussi brosser, parce que bon, tout n'a qu'un après moi, ma question, moi, belé, avant qu'on entame le sujet du jour, après que nous ayons lu les grands titres à la une des journaux, Tokolo Bela sur quatre sujets d'actualité, Otope Samakani Sinabiso. Alors, suivons d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. RDC, 600 millions de dollars pour les opérations d'enrôlement des électeurs, recensement et d'identification de la population. Afrique, le Mali prépare ses trains d'hydrogène à l'hydrogène. On va sur actualité.cd. Exclusion des élèves du système éducatif. La VSV estime très grave la décision et appelle le ministre à se raviser. Et puis, Chopo, des experts de l'OMS déployés à Banalia, où sévit la flambée de la méningite. On va sur Congo profond, Congo central, Matugwana out, remise et reprise ce mercredi 8 septembre. Et puis, RDC, l'évêque Pascal Mukuna et son évêque patriotique demandent un mandat d'arrêt international contre le général John Numbi. 7 sur 7, Kinshasa. Après la Mouka, le parti Mbosso, CDR, annonce une marche le 15 septembre pour soutenir les institutions. Puis, 12 organisations de la société civile lancent le processus de plaidoyer sur la politique nationale énergétique. On termine par Radio Okapi, regain d'insécurité dans certains quartiers de Kisangani. Et puis, Kinou, 50 dollars d'amende pour le motard et parents qui troubleront l'ordre public après la publication des résultats de l'examen d'État. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, merci beaucoup, Bandeko. Boyebi ke na Kinshasa,
actualité ça qu'on tournait sur tout autour et à bas sextepo et à bana basala qui les enfants qui se sont livrés par des scènes pornographiques et tout ça. Et vous m'aviez posé la question, c'est quelqu'un qui se trouve à Bukavu qui m'a posé la question de savoir est-ce que cette décision du ministre est-elle vraiment correcte? Bon, moi je ne vais pas m'y atteler beaucoup plus. Voici mon point de vue. Mes chers amis, ces enfants-là sont encore des enfants qui peuvent être emprisonnés ou bien tant que vous soyez prison, à peine à Bango, et puis ils peuvent être corrigés. Mais dire que ton blongoli bango na classe, puis bakolongwa, balongwa na classe, puis tout ça, on les diabolise. Et ça, la ca, et ça, la passe. Ça, ce ne sont que des enfants qui ont peut-être leur avenir devant eux. Ils ont peut-être encore 17, 18 ans, 19 ans. Ils ont peut-être encore 30 ans, 40 ans, 50 ans même à vivre sur cette terre. Okobanir bango. Ce n'est pas bien. Moi, je pense que cette décision-là devrait être revue. Il y a une décision appropriée pour la copinir. On peut les mettre en prison peut-être par... Bon, c'est selon la loi, moi je ne suis pas juriste, mais décision wana ezali malamouté selon moi. Moi, je ne peux pas supporter cette décision. On les diabolise carrément, on dirait, ça va rater à la société. Et ceux qui font la prostitution tous les jours, sextape à ma politicien, oh, et bima, bon. Est-ce que. Longola, mon ami, ça. Voilà. Deuxième sujet, Otolingeto Brossé, Nangwezala, qui. Gouvernement lobby à lobby, on va mettre 600 millions de dollars pour l'arrondissement et les recensements. Et l'identification à la population en vue de la préparation à l'élection il y a 2023. Bandeko. Bon, j'espère que ça va se faire de cette façon-là. Mais, enrôlement en mot, na identification à la population, et qu'on a kakana pour les élections de 2023. Et l'identification du Congolais définitif, plutôt, au Congolais, à Kobotama, quels sont les processus qu'on met en place pour que l'identification soit automatique? Et je crois que dans la commission, oh, j'espère, je vais en revenir demain parce que demain, tu as dit que je vais en revenir. Et que ça, vous allez voir, j'en parlerai demain. Troisième sujet, obolinga kina lobanango ezala ki la population de Mambasa ba boma ki far de semoko ou auta ki ko boma civil. Alors ezaki justice populaire ao. Bandeko, nous allons en parler ici aujourd'hui avec dans l'état de siège parce que nous en parlerons na kozonga lango na l'état de siège. Yasuka ezala ki juridiction ya jugement ya général Numbi. Moi je ne connais pas, en tout cas je ne sais pas. Ça, il faudrait que les juristes puissent nous informer sur quelle juridiction générale où il y a 4 étoiles devrait être jugée. La question ici, je ne peux pas vous les répondre parce que Nazar juriste était. Mais nous pensons que ceux qui il y a des juristes parmi nous, ils peuvent nous éclairer. Réponse à la question. Comme ça, nous allons en parler dans nos émissions. Alors. Entrons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, l'état de siège, comme vous l'aviez lu dans le titre, l'état de siège 4 mois après. Bandeko, nous constatons selon le point de vue à armée phare de Sénabiso, que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit bien, selon eux, que petit à petit, Babilo Kwan est aussi là. Mais pendant ces 4 mois, on ne nous a jamais identifié l'ennemi. Ennemi a ça identifiable été. Jusque-là, on ne connaît pas qui est, quel est le profil d'un ADF. L'armée ne nous a pas dit que Bastion est ADF et Zaboué. Nous avons fait ceci, nous avons fait ceci pour que tout éliminé. Phénomène on a bah ADF. Je ne sais pas ça si ce sont les secrets militaires ou comme 4 mois après la déclaration de cet état d'urgence.
des sièges plutôt. Donc, il n'y a pas progression. Donc, rien n'a progressé. On a mis les militaires à la tête de ces deux provinces. Qu'est-ce que nous constatons au sein de FARDC? D'abord, une déclaration qui a éclaboussé tout le monde. Le président de la République lui-même dira que non, mafia moko ezali kuna. Batu bazako likoiba mosolo ya nani ya oza destiné na état de siège wana. Mbongo ebimaki, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu un budget alloué à cet état de siège. Mais le président tout simplement avait déclaré que tous les moyens seront mis à la disposition de ces militaires-là qui sont à la tête de ces deux provinces pour que l'état de siège ait réussi. Quelle est la réussite de l'état de siège? Quand est-ce que nous allons dire que l'état de siège est en train de réussir? C'est ça la question. Moussa la otopesa kibino ezako sila, ezako simba tango nini. Sa ganito tutasema, état de siège inakamata, en tout cas na tunapatia a force armée na yetu, tunaipatia longonya, tunaisupporte, tunasema accente kwa kazi kabambi yenye biko wanafanya. Kazi yenye walibapatia ya état de siège ni nini? Ça, il faudrait que nous puissions le savoir. Quel est le travail de cet état de siège? Il était question de gérer les provinces. Il était question de rétablir la paix. Il était question de terminer les massacres. Aujourd'hui, nous devons en parler. Et il faut que l'armée elle-même, le FARDC, je crois que Baza Bayebi, pourquoi est-ce qu'ils ont été mis ba gérer ma province wana. Est-ce que c'était une gestion normale à province, comme ce sont des militaires, comme les militaires sont à la tête de province, est-ce que les criminalités, ou bien les tueries, ou bien les coups de feu se tairont d'elles-mêmes parce qu'il y a des militaires qui sont à la tête de province? Y a-t-il des opérations à faire pour l'armée afin de terminer cette situation de massacre et d'insécurité qui règne dans ces deux provinces? Ça, ce sont des questions que l'armée doit nous dire pour déterminer si cet état de siège est en train d'avancer ou non. Avant l'état de siège, y a-t-il combien de morts en Ituri? Y a-t-il combien de déplacés? Y a-t-il des villages combien qui sont vidés de leur population? Aujourd'hui, pendant l'état de siège, est-ce que les populations sont retournées dans leur village? Est-ce que dans nos routes, il y a de la sécurité? Est-ce qu'on peut quitter Mambasa jusqu'à Beni sans problème? Est-ce que le FARDC est en contrôle des régions, de ces régions qu'ils occupent pendant l'état de siège? Ça, ce sont les questions que nous devons savoir et que nous-mêmes, nous pouvons répondre en disant que non. En tout cas, il y avait 50 morts. Aujourd'hui, il n'y a que 2 morts. Et puis ce sont des situations sporadiques. Alors l'état actuel c'est comment? L'état actuel nous montre que avant l'état de siège, il y avait des insurrections sporadiques. Maintenant l'ennemi frappe quand il veut. L'ennemi frappe quand il veut. Pendant cet état de siège, nous allons constater peut-être accalmie mon quoi 2-3 jours après babomis 15 babomis 20. Nous avons comptabilisé au mois de septembre yango moko kaka jusqu'hier nous comptons 87 morts babatu babomi na masasi. Il y a 2 jours je vous disais que bazala qui a à peu près plus de 50. Aujourd'hui c'est 87 morts avec les morts qui ont été tués hier à Mambasa. Ils sont 14. Des corps comme ça. Ba corps pe ba boma ki angoka na butu. Après ba massacre, ya le premier, ya nani, ya na kotumba ba mituka. Donc les morts se comptent chaque jour, ça devient quelque chose qu'on ne peut plus, selon le militaire, selon le peuple qui vit de ce côté-là. Et comme il peut quotidien à Bango, chaque jour, lorsqu'on se réveille, on va s'attendre à dire que non, là-bas on a tué 5. De l'autre côté, on a tué. À Beni, n'en parlons plus. Batunyon, surtout, Bazako vivre na Katia. Y a Boga. Donc, terreur, Moko Zali.
Même la population qui doit vaquer à ses occupations commence à se dire, mais Togosa la dingue. C'est ainsi que la population comme il faut se prendre en charge. Il y a un boyoka qui awa. Soda Oyo Aboma Kimutu, il était dans un groupe de militaires qui faisait le patrouille na moi. Après que ça la patrouille, wana soda wana abomi mutu. Adine ka botole soki nini. Population e kobima nde ba e kobomae. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Bon, ce qui se passe à Mambasa aujourd'hui, il y a maintenant la cour militaire qui a commencé depuis 4 mois, Bandeko, état de siège. Nabeni Kutu, on ne sait pas si ce qui tribune militaire wana ezalaka. Tout ça, qu'est-ce que ça cache? Ils ont bombé Nini, biloko nyonso. Tout ça, ça cache ce que nous avons toujours dit, que l'ennemi est au sein de FARDC. Ennemi a zana kati à population, ennemi a zana kati à yabananya, yaba politicien, il est à Kinshasa, l'ennemi est à Kinshasa. Ba soda o ba kanga ki o ba detourna ki ba mbongo ba nini ya fa. On n'a jamais, suite à la kate. Oh, bakanga ki bango, tout ça, bon, et ça bango na bango. Un militaire qui arrête son ami, a jugé ami na indéni, bango nyo surtout baza na kop moko. Bazo sa la coopération moko, bako se juge jamais indéni. Les dossiers vont traîner, bako lo bano, bako kanga bango, bako tinda dossier kote kuna, bako constituer dossier na bango, ça va prendre des mois et des mois. Bandeko, na yemi sa ki bino ke tozo kende boeti. 2022 Kozal. Ah, balobi opération identification Kozalema. Est-ce que vous pensez que Batouana côté kuna bako voter les sous, nous allons nous retrouver dans la région de Beni et de Ituri que Tokozalaka concerné la élection à cause de l'insécurité qui gangrène dans nos deux provinces là. Pourquoi? Parce que faire de ces akokoka kosili sabilo kwana et kosili sakayango te parce que c'est le faire de ceux qui entretient babilo kwana. Pendant ce temps, au Babanani, aux Ali, à l'état de siège aux Ali, moi j'ai des informations sur les activités aux Akolekanaba frontières, aux frontières Nabiso. Là, c'est business as usual, comme on dit en anglais. Ma camion est au Bima, ma or est au Kobima, ma matière est au Kobima, ma FVA, ma tout. Tout ça, tout est normal de ce côté-là. Douane zo sala nango bien bato bazo bima bazo kota na bango problème ezate. Na ndenge kaka ya calme. L'insécurité se trouve toujours na kati ya babeni kuna. Pourquoi za kaka kote kuna bato bazo boma makaka kuna na kati ya banzela pourquoi? Vous allez remarquer que bato ebele baza kozala trahi na kati ya ba état de siège oyo. Les camions qui ne sont pas qui ne coopèrent pas avec le phare d'essai est collecté. Bah convoi on a balobi. Remarquez bien à quoi il s'abîme. Convoi où est le premier? Ezalaki en tête na Monisco. Monisco des Ezalaki liboso. Monisco des Ezalaki na mutukuna. Convoi moko à peu près à 100 véhicules. Jour convoi Ezalaka ya ba phare d'essai. Après qu'on a la kofutama, bah les caca. Il passe.
Donc le frère de sœur n'est pas pressé à côté à consulter sa likambo parce que bango ba yebi origine à likambo place outi ne place toza comme on a que non bitumba o po ici les a moi passe bitumba o po ici les a moi passe parce que le frère de sœur est vraiment à 85% auteur de tous ces massacres ici. Et je l'ai dit sans que personne, sans que il ne doute, nazolo bango sans doute, vis-à-vis à ma preuve, na ba baba, ba rapport oyo, na ba appel, na ba soldat oyo baza kotine de la biso. On nous envoie des rapports ici, on nous dit, Germain, écoutez, eloko boye, commandant, il y a des noms ici. Je vous avais parlé des commandants Chirimwa, Mibino Bosolo Bakate. Azope manen à Kinshasa bien. Naba batunepe mazakuna na katia kodeko na katia ba ADF bazali. Des troupes au sein de du phare de ces commandés par quelqu'un qui n'est plus commandant de Sokola 1 ou bien. Non, azane na Kinshasa azopema. Mais ma groupe nae bazakuna. Babenga kae ni kolonyoso. Azako commandite babiloko na ezako bimaka. Ba camion na ye ya ba commerçant baza ko salela ye baza ko bimisango azana ba acheteur baza ko ba indien ba chinois ils achètent les histoires auprès de ces militaires là les lo oh ba militaire on a les sous venez te confier les sous gouvernance. Lelo oyo ba toi na les sous venez te confier gouvernance ya ba province na biso. Sans nul doute, sans peur d'être contredit, je vous dis, Bamakambonga Nazako et Sabino, c'est ça la réalité qui se passe sur le terrain. Tout ça là, nini. La population a décidé finalement, Yakolobake, non, bon, nous allons nous prendre en charge. Et je ne sais pas où ça va aboutir. Tout ça là, l'information, M. Souawa, ça nous fait très mal. Et je vous dis que peut-être dans les 10 jours, avant la fin de l'année, événement moussous. Si Kinshasa ne regarde pas bien, nous allons tout droit dans la balkanisation de ce pays. Parce que la population se verra que nous sommes abandonnés par Kinshasa. Tous les sous sont banalité. Je crois que petit à petit, n'a révélé bino ba moi ba elo comme sous ou ko susciter attention na bino. Il y a des appels des politiciens de notables de ces deux provinces à rentrer. Il y a des appels à aller se concerter, à organiser des conférences. Derrière ces conférences là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Vous ne savez pas. Ces gens-là, ils ont pratiquement raison parce que les gens doivent se mettre d'accord pour trouver la solution. C'est lui qui entretient. Ce n'est pas l'étranger, je vous dis, qui est en train de nous induire dans cette erreur-là, il y a qu'au balkaniser Mboka Oyo. C'est une probabilité. Nous pouvons terminer par là. Je ne dis pas que c'est là où nous allons terminer. Mais je dis que c'est une probabilité qui peut arriver à ce que parce que même ces militaires là qui tuent, on les connaît. Qui peut s'organiser et puis avoir une force à Kolobakeno. Tokangi batu ABCD, tokangi côté kuna. Nous avons vu comment ça se fait avec à l'époque de Moussa et les autres. Bemba et tout ça, tout ces Babylon qu'on a va rébellion, toi et Bakin Nenine, Katamaka. Les autres personnes ne peuvent plus arriver à Kinshasa, Et Kokipe Kokoma. Et puis Kokoma va tout sous va s'autodéterminer, Kaka. Bon, Tosili Biso, Torosila, Biso, Tosila Nina, Kotekuna, Torotala Neni, Biso, Moko, Torosala, Makamuna Biso. Ah. Il est grand temps. Il y a quoi appliquer l'Ikambona, l'Obaka tous les jours. Les états des liens de territoire. Batouba vanda ba yeba ndengeni na kosala. Il est grand temps de dissoudre le parlement.
Il est grand temps que le président de la République a renvoyé au calendrier grec ces histoires des élections. Il y a Koloba, construisons d'abord le pays. Et comment construire le pays? À remettre le pouvoir à la base, afin que la base puisse réfléchir pour obtenir un nouvel ordre où il copie sa liberté, na pouvoir, na base, batouna batouba se reconnaître. On va s'arrêter ici aujourd'hui en vous remerciant beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Quand vous lisez tout simplement cette vidéo, quand vous la suivez, ça m'encourage parce que je peux voir combien de views ma vidéo n'a pas été. Tant on a mon akeno, ma view, tout ça augmenté, tout ça kendelikolo, ça me fait du bien. Continuez à partager. Si vous êtes là pour la première fois, soki olinga kitikata moi like. Laissez un petit commentaire et que ça les engage pour orienter la discussion autour de la kanango. Notre solution est connue. Il y a un appel à Zolingana à l'adhésion à Bino. Surtout au Likambo, il y a une conférence, il y a une province, il y a un territoire. Il y a un état de lieu à un territoire pour que tous les moi responsabilité, que les Congolais puissent être responsables de lui-même. Et non pas tout ce qui est responsabilité à développer Mbokabiso et Nabamutunsus. Abonnez-vous nombreux si vous ne l'êtes pas. Vraiment, ça me fera du bien. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.